I'll let you know. Qui ça, ça veut dire? Si me dit, I'll let you know, c'est m'a fait au connaît. M'a fait au connaît, par exemple, pour qu'on ait une information, et on me demande, mais pour qu'on ait toute information, pour qu'on vous dit, mon cher, m'a fait au connaît, l'aime bien les informations, bien, m'a fait au connaît, l'aime bien une confirmation. C'est I'll let you know. I'll, c'est forme contractée, I will. I will, si m'a pas dit I will, m'a dit I'll. We use it to notify or notify to inform someone. Nous utilisons pour notifier mon ou bien pour informer. I'll let you know. On a pris quelques exemples. I'll let you know when I'm coming. I'll let you know when I'm coming. M'a fait connait les m'a venu. I'll let you know when I'm coming. Par exemple, vous avez rendez-vous avec un monde et vous dites m'a fait connait les m'a venu. I'll let you know when I'm coming. Second example. Deuxième exemple. I'll let you know if I can make it for dinner. Ou te gen rendez-vous pou al dîner avec yon moun. Et pou di moun nan. I'll let you know if I can make it for dinner. M'ap fè konnen si m'ap ka rive a tan pou nou dîner ansanm. Bien eske m'ap ka vini pou nou dîner ansanm nan. Je di m'pou kou ka konfirme ou sa kounya, men m'ap fè konnen lèm kapab. Third example. I'll let you know tomorrow. I'll let you know tomorrow, vle di, map fè ou konen, demain si Dieu veut. Information soit demandé maintenant ou bien confirmation m'ap chèche ya, c'est demain si Dieu veut, map ka fè ou konen ki sa tombe. I'll let you know tomorrow. Ok, let's see. I'll let you know when I'm coming. I'll let you know when I'm coming. Pronunciation. I'll let you know if I can make it for dinner. Dinner. C'est pas diner, mais c'est dinner. I'll let you know if I can make it for dinner. M'a fait connaître si m'a pas arrivé à table pour dîner. I'll let you know tomorrow. I will let you know tomorrow. C'est m'a fait connaître. Demain si Dieu veut. Now it's your turn. Ça c'est tout pour. Essayez, dit, wa fè tel moun konnen, tel bagay, wa fè m konnen, et gogon information besoin confirmer. Le fin de confirmation, wa fè m konnen, vini a ou ka di, ma fè konnen tel lè, ou bien ma fè konnen à tel moment. Ou besoin essayer, toujours pratiquer. Chaque modèle phrase ou fin apprendre, toujours essayer faire plusieurs exemples sur lui, toujours essayer pratiquer. Non seulement essayer écrire pour former une nouvelle phrase avec propre départ, mais au besoin d'utiliser, au besoin de parler avec l'autre monde et qu'on s'en va venir maîtriser.